Je vais vous expliquer comment résoudre le troisième secret de Poudlard. Alors vous vous téléportez dans la section le grand escalier et vous prenez le premier téléporteur tout au-dessus, qui est la salle des trophées. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez devoir monter tout en haut de la tour. Donc vous passez par ce chemin-là, ici il y a une porte et il y a un grand escalier. Vous continuez ce chemin et vous montez tout au-dessus. Ici, il y aura une statue d'aigle et il faudra donner un mot de passe pour monter encore plus haut. Donc il faudra avancer dans l'histoire pour débloquer cette zone. Quand vous êtes dans le bureau du directeur, il y a deux portes à gauche, il faudra prendre celle de droite. Il vous faudra le serrure de niveau 2 et 3 pour débloquer le troisième secret. Quand vous avez déverrouillé la porte, vous continuez à monter tout en haut. Et là, vous arriverez au point culminant du château. Et juste ici, sur le bureau, il y a une clé que vous allez pouvoir récupérer. Donc récupérez cette clé et descendez en dessous du bureau du directeur. Ici, vous trouverez une porte. Vous interagissez avec la porte, vous insérez la clé. Et là, le mécanisme va s'ouvrir tout seul. Ensuite, quand vous aurez ouvert la porte, vous aurez terminé le troisième secret et vous aurez accès à un coffre légendaire.